suis Sébastien Conon, je suis le directeur commercial d'EcoCert France, organisme de certification dédié à l'agriculture biologique depuis maintenant 30 ans. On est ravis d'être présents aujourd'hui pour la 8e édition du salon Tech et Bio, ici sur le lycée du Valentin à Bourg-lès-Valence. Pour nous, c'est particulièrement important d'être aux prises directes des différents acteurs qui contribuent à structurer les filières bio, les accompagnent et qui permettent aussi des temps d'échange entre les acteurs qui sont déjà engagés, que ce soit les fournisseurs, que ce soit l'ensemble des producteurs engagés en bio. Et évidemment, soutenir cette initiative des chambres d'agriculture nous paraissait essentiel puisque on échange régulièrement du point de vue européen sur les évolutions réglementaires avec la PCA ou du point de vue local avec les différentes équipes techniques un peu partout en France. C'est l'occasion d'échanger avec nos clients déjà qui nous rendent visite et qui avec qui on partage leurs actualités, mais aussi d'échanger avec des porteurs de projets puisque c'est aussi une des vocations de ce salon de pouvoir permettre de donner accès à de l'information sur les sujets liés à la conversion ou l'installation en agriculture biologique et bien entendu la question de la certification, de l'engagement, du processus d'audit dans les exploitations agricoles chez les producteurs ou les éleveurs est essentielle et c'est l'occasion de leur présenter notre métier, les différents piliers de la certification, les critères, lorsqu'ils ont des questions techniques ou réglementaires qui peuvent se présenter à nous. Bien, moi, ce qui me plaît, c'est surtout après la période qu'on a connue, c'est de pouvoir aussi retrouver, de revenir sur le terrain, voir nos partenaires et bien entendu un certain nombre de conférences techniques aussi qu'on a pu tant sur la partie production, mais également aussi sur les aspects marchés, les dynamiques de filières, celles qui sont, j'allais dire, en développement et bien entendu pouvoir aussi se tenir informé des actualités, notamment en région, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs coopératifs, de transformateurs également qui sont présents aux côtés des producteurs. Et c'est toujours très intéressant pour nous qui sommes basés dans le Gers de pouvoir aussi avec nos équipes locales rendre visite à tous ceux qui développent la filière bio ici en Auvergne-Rhône-Alpes notamment.